Strasbourg, c'est un port aussi. Depuis toujours, le port de Strasbourg est, comme cette cathédrale qui le domine, un des centres vitaux de la cité. Image d'autrefois, image d'aujourd'hui, ce fleuve, cette route qui marche inlassablement, n'est-ce pas depuis longtemps déjà le symbole des réalités d'aujourd'hui? Le port autonome, la navigation libre sur le Rhin, ne préfigurait-il pas l'idée du marché commun? Regardant marcher le Rhin, fleuve beau entre tous, comment ne pas comprendre ceux qui défendent depuis 10 ans la grande idée de l'unification de l'Europe? Strasbourg, cœur de l'Europe. Avec 13 bassins, 2 avant-ports, une surface en eau de 215 hectares, bordé par 37 km de rive, le port autonome de Strasbourg, s'il n'est pas encore à cheval sur le Rhin, est déjà fréquenté par une flotte internationale de plus de 13 000 bâtiments. Son trafic annuel dépasse 12 millions de tonnes et comporte aussi bien les produits pétroliers, le bois, le charbon, les minerais, que les produits métallurgiques et les denrées alimentaires. Arrière-pays de Rotterdam par la grâce du Rhin, Strasbourg est ainsi devenu, pour la région de l'Est, l'équivalent d'un grand port maritime. Si pour le commerce et l'industrie, le port autonome de Strasbourg est un organisme vital, pour la recherche et la pensée, l'importance de l'université de Strasbourg est également fondamentale. Strasbourg, au bord même du Rhin, dans cette nouvelle zone industrielle peu connue du port autonome, l'avant-port sud. Silos Dra, silo strasbourgeois de céréales, au point culminant duquel nous nous sommes entretenus avec M. Marshall, président du port autonome de Strasbourg. Silos Dra est en service depuis 6 mois environ. Sa construction a duré à peine plus de 2 années et c'est donc un ouvrage très vite réalisé. Ce silo contient avant tout des blés et des orges, mais il peut recevoir des maïs et des graines oléagineuses. Il s'agit de céréales qui proviennent de la Brie, la Beauce, la Champagne et viennent ici soit par voie ferrée, soit par canal. Quelle est la capacité du silo? Sa capacité est de 400 000 quintaux, même davantage s'il s'agit de céréales lourdes. C'est l'une des plus grandes capacités des silos portuaires français qui est comparable aux silos d'Anvers, de Rotterdam et d'Amsterdam. Il était nécessaire de créer sur la façade est de la France une réplique des nombreuses installations qui se sont développées sur la face ouest. Nous l'avons fait à un important carrefour de transport, ferroviaire d'abord, canaux et rénant. Strasbourg était la place qui convenait pour cette implantation. Nous sommes en effet à pied d'œuvre pour des exportations à destination de l'Allemagne, de la Suisse, de la Hongrie et la Tchécoslovaquie qui sont nos clients pour de nombreux achats céréaliers. Nous voulons être en effet à la fois la station service du marché agricole français dans le centre de l'Europe. Nous pouvons en effet à la fois livrer des qualités de céréales impeccables et permettre à nos acheteurs d'en vérifier cette qualité. Nous serons en quelque sorte une vitrine
des céréales françaises dans le marché européen. Nous sommes ici en quelque sorte au centre même du silo, devant le tableau qui est le cerveau de ce silo, et nous allons demander à M. Le, directeur du Silostra, de bien vouloir nous expliquer comment se passent les opérations ici. Et tout d'abord, M. Le, combien de cellules avez-vous ? Nous disposons de 160 cellules dont les capacités s'étagent de 660 à 45 tonnes. Combien de bateaux et de wagons pouvez-vous décharger en un jour ? Nous pouvons décharger 4 péniches de canal ou bien un bateau rénant de 1100 tonnes et simultanément nous pouvons décharger un train complet de 36 tonnes ou bien 25 wagons réseau. Suivons, si vous le voulez bien, le train. Par où vous arrive-t-il ? Ce tableau représente ici en bleu toutes les opérations de réception. Nous avons ici les réceptions bateaux, ici les réceptions wagons, ici les réceptions routes. Suivant, si vous le voulez bien, le circuit bateau, après être passé par un élévateur vertical, le grain est amené par un transporteur horizontal vers un distributeur, le distributeur inférieur. Ce grain passe ensuite par un premier élévateur, il amène vers une bascule où il est pesé. Puis il redescend vers le distributeur et à ce moment-là est amené par un élévateur principal jusqu'au sommet du silo, puis par l'intermédiaire d'un distributeur supérieur, ce grain passe par des transporteurs horizontaux et par des tuyaux télescopiques, il est amené dans les cellules où il doit séjourner. Ceci pour du grain qui n'a pas à subir de transformation avant sa vente. Parce que vous pouvez lui faire subir des transformations. Oui, nous pouvons traiter les grains soit pour le nettoyage, par l'intermédiaire d'une chaîne de nettoyage et de triage, ou bien nous pouvons également les sécher lorsqu'ils présentent un pourcentage d'humidité qui ne permet pas la vente directe. Je crois qu'à propos de séchage, vous avez un procédé assez extraordinaire ici. Oui, ce système de contrôle des températures à l'intérieur du silo nous permet simplement en appuyant sur un bouton d'avoir immédiatement la température dans 5 points de la cellule. Et pour alimenter toute cette usine, pour la faire travailler, de combien d'ouvriers disposez-vous ? Nous sommes 20, du directeur au dernier manœuvre. Ce n'est possible évidemment que parce que le silo est tout entièrement télécommandé, les seules opérations manuelles étant les opérations d'ouverture et de fermeture des cellules.